verser un filet d'huile d'arachide dans une cocotte, saler et poivrer les tendrons de veau sur toutes les faces, mettre à fondre le beurre dans l'huile chaude, disposer les tendrons de veau, les laisser bien caraméliser de chaque côté et les égoutter sur une grille. Retirez la moitié de l'excédent de gras de cuisson, ajoutez les gousses d'ail, les carottes, le céleri, le thym, l'oignon et laissez suer sur feu vif pendant 3 minutes. Déglacez avec le vin blanc sec, portez à ébullition et réduire de 3 quarts. Disposez les tendrons de veau sur la garniture, répartir les tomates coupées en quartiers, mouillez avec le fond de veau, portez à ébullition, couvrir et enfourner pendant 1h15 à 180 degrés. Mettre le beurre dans une cocotte, disposer les oignons nouveaux, les carottes, l'ail et la petite brindille de thym, saler, poivrer et faire rouler délicatement les petits légumes dans le beurre pendant 2 minutes. Mouillez avec le bouillon de volaille, portez à ébullition et cuire à frémissement pendant 35 à 40 minutes à couvert. Sortir les tendrons de veau du four, retirer la viande sur une grille et décanter la sauce. La décanter, c'est enlever la viande, passer la sauce donc dans un chinois, c'est-à-dire retirer la garniture aromatique. Remettre la viande dans la cocotte, couvrir du jus de cuisson et répartir délicatement les petits légumes sur les tendrons de veau chauds et servir directement dans la cocotte. Tendrons de veau braisés aux petits légumes. Pour 4 personnes, 4 tendrons de veau, 2 tomates, 9 carottes, 8 oignons nouveaux, 1 oignon moyen, 90 g de beurre, 3 gousses d'ail, 2 brindilles de thym, 1 branche de céleri, 2 décilitres de vin blanc sec, 1 demi-litre de fond de veau, 1 décilitre de bouillon de volaille, 1 cuillère à soupe d'huile d'arachide, du sel et du poivre du moulin.